Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Notsuberi. Aujourd'hui est un grand jour, je l'espère, puisqu'on va, je l'espère, pouvoir activiter... Yo les potos à la compote de YouTube. Je l'espère, élire, l'activité ça n'existe pas, élire l'héritier de la génération pêche, avec un concours de pêche, parce qu'on a la banane évidemment, vous aviez eu, bon, comme d'habitude. On retrouve notre maison toute rose bonbon, où tout le monde dort dans la poussière. Normalement, Toya grandit aujourd'hui. Voilà, hein, oui, zéro. Donc ça devrait être bon. Aujourd'hui, on fait l'élection. C'est comme ça, c'est acté. Avant ça, on va se rincer l'œil, comme d'habitude, sur le beau Cham-Cham et ses petits abdals, hein, comme d'hab. Marine, tu arrêtes tout de suite, tu ranges ta carte bleue. Ça suffit, hein. Oh, je vais te ban. Hein. Ah, ça va être comme ça. Bien. Merci beaucoup Marine pour l'abonnement à Mylis. Gros bisous à toi Smiley Boo. Merci énormément pour le soutien. Je sais Martial, t'es pas blond. T'inquiète. J'ai été voir. Et le perdant devra manger le nigiri fugu qui pêchera. Faut déjà qu'on sache où est-ce qu'on va aller pêcher. Je pense à un endroit où il y a au moins 3 spots. Et il n'y a que à Willow Creek qui a pas mal. Il y a 3 spots de pêche. Donc ça pour, enfin plus que 3 spots. Là où j'avais fait les princesses, il y avait pas mal d'emplacements, donc je pense que ça pourrait être sympa d'aller à Willow Creek. Pourquoi elle tend des perches aussi? Ouais. Eh oh, ça va. Hein. Et salut Duruio pour ton follow. Bienvenue à toi. Il nous reste 9 follow avant les 2300 follow de Twitch. Donc n'hésitez pas. Je crois que je suis la seule... C'est la streameuse qui râle parce qu'elle reçoit des subs, non. Enfin, j'espère pas. Bon, ça, on pourra pas dire que je fais ça pour la thune. Hein? Hein? Tabarnak! Pardon. Pardon. Alors, comment vas-tu, mon petit... Mais c'est pas toi qui dois apprendre la cuisine gastronomique, c'est tes gosses. Nous avons, la semaine dernière, déjà montré que Dahlia avait été relooked. Cette fois-ci, Melba a été également relooked. Bon, là, elle se cache. Et Toya, ce sera aujourd'hui. On va le relooked, nous, de notre côté, avant l'élection, les victimisations de pêche. Pour l'instant, il dort comme un bienheureux, regardez. Il sait pas encore ce qu'il attend. Hein. Ah, la puberté, tout ça, ça va être difficile. Hein. Pour éviter de dire que ça va être dur, ça va être difficile. J'en ai marre de mes conneries. Donc voilà, pour le relooking de Toya, je vous le mettrai dans la description. Un petit lien non répertorié, comme ça vous pourrez aller voir à quel point je m'emmerde à relooker les Sims en pêche. Hein, que je déteste cette couleur depuis le tout début. Mais comme ça, sur l'épisode, on n'aura pas le relooking. Bon, elle fait encore la gueule. Mais c'est Dahlia, voilà. Dahlia, blonde, yeux verts. C'est un peu Hélène. Elle ressemble un peu à Hélène, on est d'accord. Melba, bah, quand elle veut, elle se lève. On est samedi, ce serait trop bien de pouvoir faire l'élection ce week-end. C'est-à-dire tout bientôt, quoi. Merguez a très faim. Toya. Parce que la semaine dernière, on a failli perdre Roger. S'il te plaît, tu t'occupes. Tu t'occupes de Merguez, là. Faut pas qu'il meure. Et tu vas nettoyer la cage de Roger, aussi. Parce que on est passé par des états d'âme la semaine dernière. On a cru qu'ils allaient tous y passer. Hein. Des ch'tards. J'ai un petit peu, je suis en train de refaire un appart pour ma Sims. Je peux pas poser de sol. Ah! Effectivement, c'est un souci. Roger qui meurt 7 fois et revit 8 fois facilement. Bah ouais, mais c'est... Mais ouais, mais Roger, c'est un warrior. Le mec, il a été dans l'espace. Il travaille pour la NASA, il fait des rêves parties, il écrit des livres, il voyage aussi. Roger, c'est the best. Hein, donc, Ah, et bah tu pourras nettoyer l'habitat derrière. Alors, sinon... Écoutez, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, je vais accélérer un petit peu parce que sinon, on se fait chier. Jacqueline,
Tiens, va faire la vaisselle. Alors que Monsieur Cham Cham se balade en calbut. Mais est-ce que vous avez des modes en fait que... Bah, elle fait sa coquine, hein. Elle veut pas se montrer. Hein. Est-ce que vous avez des modes qui fait que vous pouvez pas construire, vous avez enlevé? Il faut, c'est le truc de base, hein. Il faut enlever pour voir ce qui fait que machin, ça marche pas quoi. Ah bah voilà. Alors, on va enfin montrer sa bouille. Bon là, elle est pas au top de sa forme, hein, Melba, mais... D'accord. Mais c'est Melba, voilà. Pourquoi à chaque fois que je dois montrer une des meufs, elle fait la gueule? Alors Melba a les yeux un peu plus bleu-gris. De toute façon, ils ont tous les trois les couleurs d'yeux différents, donc moi, on est comme ça. Si vous avez les quatre colonnes, ça peut bloquer, ça a bloqué chez Oniri Askip. Moi, j'ai les quatre colonnes, mais j'ai pas essayé de construire, donc je peux pas vous dire encore. Moi, je suis que ça. Alors, quand est-ce que tu grandis, toi? On va focus un peu sur lui. Oh. Tu me jettes ça. Saleté. Comment ça, malice? Pourquoi t'apprends la malice? Dis donc, tu t'excuses, hein. Qu'est-ce que t'as fait? T'as agressé qui? T'as agressé ta mère? Qu'est-ce que t'as fait? Saleté. Je sais pas, c'est laquelle qui a cassé les pieds de l'autre. Je ne sais pas. Bon, Toya Jackson, là. Ah bah l'autre, elle passe la spie. C'est là-haut que c'est sale, hein, cocotte. C'est là-haut que c'est dégueulasse. Ouais, elle le kiffe, hein, son aspirateur. Ouais, enfin, Cham Cham, elle est pas plus habillée en même temps. Oui, bah écoute, ils sont un peu exibes sur les bords, hein. C'est comme ça, ça arrive aussi, hein. Ah, c'est Cham Cham qui apprend la malice. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu t'excuses. Non, ça va, y a rien. Oh, on s'en fout, on veut pas vous parler. Tu vas aller courir après toi, t'es un peu rondouillette, hein. Rondouillette, poète, poète, hein. Vous allez courir toutes les deux, d'ailleurs, je veux plus vous voir. Allez, hop, cassez-vous. Ah, non, c'est pas les quatre colonnes, c'est l'expandable catalogue. Je l'ai enlevé, parce que je pouvais pas sortir les lits du catalogue. Hé, mais je t'ai dit d'aller courir, toi, gourdasse. Excusez-moi. Toujours de l'amour pour mes Sims, évidemment. Allez là, bouge ton boule. On veut respirer la poussière. Waouh, regardez comme elle est... Ah, oh, elle est mignonne. Ouais, elle est mignonne, hein, avec sa petite tenue des années 90. Voilà, Melba. Voilà. En vrai, les meufs, ça passe, hein. Elles sont pas mal. Elles sont plutôt pas mal. Donc on espère que le gars soit très très moche pour qu'on puisse... Oh, le pervers. Qui c'est celui-là? Non, tu parles pas aux gens. Tu parles pas aux vieux. Au vieux pervers, là, qui t'aborde comme ça dans la rue. Non. T'es encore adolescente, hein. On m'a dit. Ils sont fous, eux. Avec ses formes, elle est très belle. Moi, je suis pas fan. Ça me rappelle moi. Et moi, je suis pas fan de moi. Mais si j'espère que toi sera beau, je suis pro garçon pour les héritiers. Ah ben non, mais là on a eu plein de garçons en fait, et on n'est pas du tout équitable. C'est pour ça que j'aimerais qu'il y ait une meuf pour la génération d'après. Après, il reste deux générations, donc un de chaque, et puis on sera tranquille, on aura fait 5-5. Minuscule rongeur, grande aventure, merguez a pensé à vous pendant ces voyages. Je vous ai ramené une carte postale. Oh, merci merguez. Est-ce que c'est une nouvelle carte postale vu qu'on a eu la petite musique? Tout, 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 tout,
culte de Sixam. Oh la vache. Effectivement. Effectivement, hein. On a quand même... Vas-y. On est... il nous manque une carte postale, si je dis pas de conneries. Hein. Grâce aux rongeurs. Hein. On a bien fait de les prendre, les deux, là. Merguez et Roger, c'est la team. Hein. Saucisse n'était pas fait pour vivre. Saucisse, il s'est fait bouffer. Hein. Il n'était pas destiné à vivre. Du coup, bah, c'est très bien. Oh là là, il nous en manque une! Et on aura fait la collection complète. Il nous en manque une. Donc j'espère que Roger et Merguez vont assurer, là. Pour la toute dernière. Alors que Toya Jackson fait ses devoirs. Et merci Maggie Greg pour ton follow, bienvenue à toi. Craig Newman n'a jamais vexé un modo. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça doit être terrible. Mais elle a pissé, t'inquiète. T'inquiète, elle a pissé. Bah, au moins t'es sûr que quand t'arrives à destination... quand t'arrives à destination, tu y vas tout... En fait, ça peut couler tout seul. Après, ça peut couler tout seul. Et ça peut être bien. C'est-à-dire ça fait un effet chaud au départ, qui te détend. Puis, un effet rafraîchissant. Avec l'air qui colle comme ça sur le vêtement mouillé, ça rafraîchit. Je pense que ça peut être une bonne expérience quand même de se pisser dessus quand tu cours. Voilà, c'est mon avis. Moi je peux pas courir donc... Il vit une meilleure vie que moi, c'est des rongeurs, quelle injustice. Oh, bichette. J'avoue qu'ils voyagent plus que nous en ce moment, c'est sûr que là... Hein. Bon, Toya Jackson, tu grandis quand hein? Encore maintenant. Yeah. Elle fait ses devoirs complètement cracra. Coucou. Oh là là. Oh là là. Et j'ai fumé de la bonne. Tu avais pareil, toi, t'es... Hein? C'était Sakura qui passe dans le coin. Donc je disais, et elle fait ses devoirs dehors toute seule. Mais elle fait ses devoirs. Salut Marie la blonde. Bah tiens. Marie, t'as fait un nouveau compte? Comment t'as fait pour voir toute la carte postale? Eh ben en faisant le... En trouvant les correspondants sur l'ordinateur et après en adoptant des rongeurs. Voilà. Et je les ai pas toutes encore. Je n'ai pas mal. Il m'en manque une sur toute la collection complète. On est deux. C'est ça, c'est le double de Marie qui parle. Oh, quelle horreur. Mais oui, j'aime vous fouetter. Mais toi, je t'ai dit de rentrer, en fait, Jacqueline. T'es un peu bouchée, hein. Nanana. Arrête de vouloir parler aux gens. Va te doucher. Tu pues. Qu'elle est mignonne. Visage diabolique, visage diabolique. Bon, elle a déjà fait ses... C'est bien. Bah écoute, tu vas apprendre à faire la cuisine, servir le dîner. Onigiri, vas-y. Mais sans foutre le feu, s'il te plaît. Parce que je vous rappelle qu'il faut avoir... développer la cuisine gastronomique, mais qu'il faut déjà débloquer la cuisine gastronomique. En attendant... C'est ma jumelle maléfique qui entre finalement en scène. Elle a mal tourné la Sakura. Elle a tourné sec. Non, je voulais parler du saké. Mais elle a tourné saké. Pas comme Bilbon ou Frodon, hein, saké. C'est pas la même chose. On fouette pas Martial, hein, je vous rappelle. Il y a que moi qui le fouette. Mais... Madame, quand on explique une vague, c'est... Ouais, mais elle était ratée de base, donc de toute façon, c'est comme ça, c'est réglé, hein. Voilà les meufs. Et les meufs et les keufs. Elles ont pas la même tête, hein.
elles ne sont pas pareilles, les meufs. Alors là, c'est un exemple magnifique, hein. La veste Moschino et la jupe Moschino. Voilà, c'est au moins c'est un kit qui me sert. Tu sais quoi, tu sais faire quoi toi? Tu peux mange, Jacqueline. Oh. C'est vrai qu'on nous a cramé le tapis de yoga, sinon j'allais leur faire faire du yoga. Et l'autre là, elle peut pas faire passer l'aspi ici là. Feignasse. Il y a des lapins et tout là. Je veux te bouffer là, tu te crois où? Cuisine. Je suis affreuse. Je suis quelqu'un d'affreux. Contradiction. Je vais faire un gratin de pâtes. Ouais. C'est quoi ça déjà? C'est du tarot. Ça, là, tu vois que la plante, elle est neuve. Qu'elle n'a pas été développée en même temps que les autres, qui ressemblent à pas grand-chose au final. Tu vois que c'est une belle plante. L'autre, t'as fait du smurf, mec. T'as vu comment tu as fait du surplace? Pour sortir des chiottes, c'est nouveau, ça. Bon, pour l'instant, je vois rien du tout dans les traits, hein, en même temps. Qu'est-ce que t'as fait? Marche dessus, hein. Moi, je veux pas de lapin. Hein. Mais pourquoi t'as fait... Passe la spi, je t'ai demandé. Ah bah voilà, c'est bon. C'est, j'allais dire, c'est sec. Ça la fatigue, hein. C'est sec, là-haut. Trop de douceur. C'est bizarre, là, ce que tu fais à ta fille, quand même. C'est pas entre les jambes, mais c'est presque, hein. Ah oui, ma fille, tu aimes quand je te passe la spi entre les jambes. Ah oui. Vas-y, continue. Ah oui, vas-y, attends. Vas-y, passe-moi. Vas-y. Ah oui, vas-y, passe-moi ça. Oh oui. Oh, ça fait du bien, maman. Qu'a-t-on fait dans cette galère? Va courir. Non, on travaille, nous. Oui, dit. Et le petit gros, il grandit quand? Ah oh là 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 là. Bien tal. Ah, c'est vrai, il y a les instruments. Oh, j'avais zappé, moi. Va t'occuper de deux, là. J'avais oublié les instruments, moi. Mais quand t'auras fini de courir, tu viendras t'entraîner. Toi, Jacqueline, viens t'entraîner aussi. Viens casser les oreilles de tout le monde sur le live. J'ai pris les lapins juste pour les lapins. Tu vas voir, ils vont vite te casser les pieds, les lapins. Surtout quand ils donnent de la thune, je comprends pas en fait pourquoi. Et ça peut être très chiant dans certains challenges parce que t'as pas le droit de gagner de la thune autrement que. Tu vois. Après, tu demandes à ce que. Oh, tu remontes le chat. Ouais, mais écoute, je suis une fille de contradiction. Aujourd'hui, j'ai eu un patient qui s'appelle Paul. Et ben, impossible de pas penser à Shirley! Et vous, Paul? Tu lui as demandé? Et vous, Paul? Pardon. Moi, je l'aurais faite. Et j'aurais regardé dans ses yeux s'il captait la s'il avait la lueur et s'il savait de quoi je parlais. Et je coupe le son. Mais non, ça va, on n'entend rien. Vous entendez fort? Non, on n'entend pas très fort le jeu, je trouve. Attendez, je vais voir si je peux... Le mélangeur de volume... Ah non, bah, je suis déjà pas mal. Hein. Ah, je suis à... On va mettre à 80%. Un peu mieux.
J'avais tellement envie. Mais ça, t'as raison, Kiki Sim. Fais-toi plaisir, bon sang. C'est l'heure, si vous voulez cuisiner votre repas, pour jouer très bien cette musique. La 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 la. Qu'est-ce que tu fais, toi, depuis quand, toi? Ah ouais? Mais vas-y, mais grandis, ouais, Jacqueline, là! Fais quelque chose de ta vie! Ah, Cham Cham, il est rentré. Oh, regardez cette élégance. Cet homme qui est fit et healthy. Incroyable. Il est magnifique et il grandit. Il vieillit bientôt. Il va devenir un vrai papy, donc profitez-en. Pour le maté. Viens bouffer, toi. Après, tu ranges. Ah. Du coup, Toya, il sera à la guitare. Enfin, Toya, à la limite, on s'en fout, parce que si c'est pas lui notre héritier, eh ben, il se mettra à rien du tout. On dirait un chat en train de miauler à l'agonie. Oh, c'est pas, ça ressemble pas à ça. Ah, je l'ai encore dans la tête. Fit Elsie, Mastoc, beau gosse. Ouais, un bon job, du talent. Écoutez, qu'est-ce qui lui manque à cet homme? Il restera mignon même en papy. Ouf. Je suis pas sûre. Hein. Vous aussi, vous souffrez? Une grosse saucisse. Quoi? Quoi? J'ai pas suivi. Qu'est-ce que j'ai encore dit comme merde? Dites-moi tout! Je n'ai pas suivi mes propres conneries, comme d'habitude. Ah oui, je me suis trompée de blonde. Entre le violon et derrière, on entend le synthé, c'est magnifique. Hein. Puis en deux avec une petite brioche en bas, ça va être beau, le cham-cham. Oh. Moi, j'ai déjà la brioche, mais je suis... La brioche pliée en 40. T'as dit, qu'est-ce qui lui manque à Cham Cham? Ah, tout à fait. Mais il a déjà merguez. Puis saucisse, elle est morte. Enfin, il est mort. Suis un peu... Ah non, mais moi, je... j'ai abandonné l'idée de suivre ce que je dis dans les lives, j'ai abandonné. Ah, eh ben... La pauvre Melba, hein, c'est Dahlia qui a tous les regards posés sur elle. Et puis celle-là, assez endormie. Donc... Quelle horreur. J'ai dit à monsieur que je regardais ton live sur la télé, il va me dégager sur l'ordi pour jouer. Oh. C'est vrai que ça fait du bien quand ça s'arrête, hein. Il a la clignotite aiguë. Tout le monde veut vous lever. Je m'en fous, on n'y va pas. Et tu vas te cacher sous les draps. Et on va faire des choses, toi, la télé et moi. On va se faire des trucs, toi aussi, t'as la berlute. Vous venez. Tous. C'est l'heure de l'anniversaire. Je m'en fous, vous venez. Alors, question. Est-ce qu'il y a encore un gâtal là-dedans? Je ne sais plus. Non! Eh ben, ce sera Melba de faire un gâtal pour son petit frère. Alors, pas au macaroni au fromage, cuisine. Un gâteau au chocolat, parce que c'est un garçon. Le rapport? Je ne sais pas. Tiens, tu vas faire aussi ça, toi. Oh, mais dites donc. Mais tu vas... Tu t'occupes des... Un anniversaire en petite tenue. Bah, tiens, tu sais pas quoi faire, tu vas vider la poubelle. Oh, Mara Sniffa. Non, tu viens là. Tu vas faire tes trucs, je m'en fous, mais tu viens. Allez Melba,
Un beau petit gâteau au chococo. Chocolat. Chocolat. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas assisté au Notso Berry. Bah bien sûr, Marie. Ça fait une éternité. Ah là là. Je commence à avoir un petit peu froid. Il a fait 16 degrés ici aujourd'hui. Vous imaginez un peu? Ça y est, hein, le printemps revient. Hein. Le printemps est là. Le printemps est là. Mais t'as pas fini le gâteau, toi, si? Ah si, il est là! Tabarnak, j'avais pourvu. Ah! Ah, beau jet anniversaire. Viens là, Jacqueline. Papa! 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 Alors, ses sœurs. Ses sœurs ont le trait pitre et gourmand. Ta 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 Toya, ta 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 ta, c'est l'anniversaire de to 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 Toya, ta 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 ta. Oui, j'arrête, j'ai compris. Je m'auto-soule aussi, vous inquiétez pas. Hein. J'ai conscience hein, de mes conneries. Le matin est là. Happy birthday Toya, make us proud. Happy birthday to you, happy birthday Toya, happy birthday to you Toya, happy birthday to Toya, to you. Ah il est là, oh, attention, oh les petites mules, oh sexy, des belles cuisses, oh là là, un beau torse, une main, et des doigts, oh oui, des doigts, un cou, namatata, oh des lobes d'oreilles, une bouche, incroyable, ah, oh, putain il a l'air beau gosse, oh il a l'air beau gosse, il a l'air. Ne jetons pas la peau de la vache avant de l'avoir tondue dans une bouteille. Non, c'est pas ça. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Bon, alors la coupe de cheveux, bon, à part Marie, je suis pas sûre que moi j'aime. Mais dis donc ! Mais c'est un beau petit mal de compète, ça ! Oh la vache ! Ça va être un beau petit mal reproducteur, ça, les enfants. Il est déjà dispo dans la galerie, hein, en tant que bambin, certes, mais voyez, vous le faites grandir, vous avez un mal de compète, hein. Hein ? Hein ? Eh beau gosse hein, Totoya Touyou. Beau gosse, beau gosson. Eh ben c'est parfait. Pourquoi il faut qu'il pop à côté, on sait pas. Remets les bossés d'anniversaire, tabarnak. Et puis on va les relooker. Hein. Toya reste dans la course. Ah, oui. Ne perdons pas espoir. C'est ça. On va remettre le gâteau au frais. Toya, tu vas me faire une petite course. Évidemment. Faut qu'on voit un peu ton skills en... Oh là là, ouf, oh, par contre, leur looking va être fameux. Hein. Une petite course. Et puis après, c'est le relookage. Moi, j'aime bien les faire courir, mes ados. Vous avez chaleur. On est perdu comme on veut que ce soit une gonzesse qui gagne là. Attends, on va aller voir ça de plus près dans le CRS. J'avoue, mais avec un père comme il avait, bon, voilà quoi, en même temps. Excuse-nous, mais je pense que ça va être un mal pour la prochaine géné. Mais ça, c'est le jeu qui choisit, hein. C'est le jeu qui choisit.
Tiens, tu seras mignon, tu vas faire ça. Où est-ce que j'ai un miroir, moi? Ah bah, juste là, suis-je bête. Tu vas changer le sim, parce que, bien sûr, au cas où, il y a des petites retouches. Tandis que Merguez fait une rêve dans sa cage. Heureusement que c'est pas les votes qui comptent. Ouais. Et c'est parti pour le relooking. Et donc pour le gameplay, on se retrouve après le relooking. Et ceux qui veulent le relooking complet, c'est dans la description. Allez mon petit Totoya, tu vas aller faire Toto Dodo. Toto et Toya, il te fait Toto Dodo. Oh, sexy! Titi, tu veux dire bonjour? Mais vous avez entendu à quel point il fait du bruit quand il dort, l'autre là? Il ronfle là? Toya, c'est une vraie usine. Non, c'est pas Chamcham, c'est Toya. C'est lui qui est à côté. Il fait un bruit pas possible quand il dort. Il y a un truc qui grille et fait du bruit chez Roger, je rêve. Ouais, il faisait de je sais pas quoi, de la soudure là. Et comment ça s'est arrêté? Il faisait une rêve dans sa cage ou quoi? Oui, bah je sais pas. Bon, y a Titi qui est sorti de son trou. Timon, ils s'en fout. Allez, hop, reprenons du galon. Toi? Ah, là les cassos. Va courir. Popopo. Popopo, mais le botte à la pêche. T'entends pas quoi? Les cassos qui passent? Si, regarde. Si seulement c'était le cas. Salut Louise, comment vas-tu? Tyrion. Je remets le son du jeu. Regardez-moi cette poupée. Oh, jolie poupée. Oh, 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 jolie poupée. Tu me fais danser. C'est l'heure de manger. Ouais, bah ça y est, ça arrive à 21h pour taper dans mon plafond. Évidemment. Je pensais que j'aurais été tranquille ce soir et finalement, ce n'est pas le cas. Super, il pleut. C'est pour la compète, c'est super. Ou par contre, Toya, ça va pas du tout. Hein. Hey, tu dors. Et après, c'est bouffe, pipi, douche, quoi. Pas tous en même temps. Enfin, pipi et la douche, tu peux en même temps. Mais tu mangeras pas sous la douche. Mais tu peux manger en pissant. Tout dépend. Rapport de droit d'auteur 3669. On est riche. On s'occupe des... Tout est normal. Oula! Et merci Miss Noémie pour ton abonnement. 11 mois d'abonnement. C'est incroyable. Merci beaucoup pour le soutien. Gros bisous à toi, Ismail les boules. Merci beaucoup. Et re-Anne, comment re-vas-tu? Il marche avec des parpaings. Bah ouais, c'est ça. Mais ils savent pas marcher correctement. On leur a pas appris. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, au bout d'un moment, je peux pas faire mieux que... Hein, je suis pas leur mère, hein. Si la mère a pas été foutue de le faire...
Voilà. Ah non, Cham Cham, t'as tout cassé, l'eau. T'as tout cassé, l'eau. Eh, pipi, douche, manger. Un beau programme, Toya. It's in the game. Ouais, Totoya, il a été relooked, hein. Voilà. Sa coupe de cheveux a été source de conflit. Alors, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre si vous aimez ou pas. Voilà, après, ça se change. Évidemment. Je suis bien présente ensemble et je soutiens. Même c'est gentil, Noïs Noemi, c'est adorable. C'est adorable, merci beaucoup. Après, vous passez si vous pouvez, hein. Moi, je ne force personne. Hein. Si vous ne voulez plus venir, pas un problème, hein. Ah, je comprends. Oh, et ton verre d'eau. Je vais te le foutre dans le cul, toi, ton verre d'eau. Tu vas le sentir passer, hein. Saleté, va. Pendant ce temps-là, regardons donc Cham Cham. J'aime bien ce qu'ils ont tous un haut de la même couleur et un bas de, blanc. C'est merveilleux. C'est la génération peuche. Coucou Guillaume, comment vas-tu? Oui, le verre d'eau. Bah oui, c'est le bonheur du verre d'eau. En attendant, je vais donc passer une petite pub de 30 secondes puisque ça a été demandé par Marine. Donc je remercie tous ceux qui regarderont, qui auront par défaut les pubs. N'hésitez pas à le partager dans le chat. Et bah, tout simplement, merci. Voilà. Et puis on se retrouve dans 30 secondes, c'est pas grand chose. À tout de suite. Et voilà, on est reparti. Bon, est-ce qu'elles sont... Mais bouffez, bande de greluches! Toi, tu vas te coucher. Te doucher, pas te coucher. Cuisine! Ils ont eu la même chose, père et fils, quoi. Elles sont sur le truc caractère gourmand. Tu vas rien demander du tout. Tu vas me manger ça, tiens, cake aux fruits. En espérant qu'ils soient pas mal à l'aise. Hein, Titi? Ben oui. Mais il faut pas qu'ils soient mal à l'aise, les Sims, quand même, Titi Moon. Hein? Parce qu'on va... Je les remonte au max de leur... comme ça. C'est très bien. Mais pourquoi tu... C'est ça ton repas, les gâteaux? Qu'est-ce qu'ils font? Mais pourquoi vous allez à l'autre bout de la baraque? Ok, elle c'est bon. Tu peux venir là. Toi, Jacqueline, t'iras pisser. T'iras me faire une micro-douche. Puis après, c'est bon, quoi. On va pouvoir faire l'élection. Ta-da-da. Tu n'as plus le bug avec les enfants qui mettent de la peinture partout. Mais c'est pas un bug, ça. C'est le truc de machin. Mais je sais pas, j'ai pas d'enfants. Manger devant la poubelle, c'est un concept. Ah oui, bah écoute, c'est pour maigrir plus rapidement. Parce que vu que les odeurs, ça pue, ça te coupe l'appétit. Et tu manges pas, tu finis pas ton assiette. C'est ce que je devrais faire d'ailleurs. Alors, vous avez discuté entre vous, parce que quand même, vous êtes frère et sœur après tu. Certes, Toya nous a déçus à sa naissance. Mais qui sait? J'aimerais des kits d'objets, vous me conseillez quoi? Mini maison paranormale. Accessoires vintage. Jardin romantique. Entre autres, hein, là, comme ça. Les bambins, là, le truc des bambins pour avoir plus de fringues de bambins. C'est bon? Vous êtes tous bien, les enfants? Tac, et tac. Allez! It's time! Tricot. Ouais, tricot, ouais. Tricot, ouais. Alors, où est-ce qu'on va pêcher? Hein, on aurait pu pêcher peut-être là. Mais j'ai envie d'aller à Willow Creek parce qu'il y a plusieurs spots ici. Il y a plein de spots au même endroit. Ito et Ota.
Ok. Donc non, 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 on y va. Voilà. Les trois enfants. Jour de lessive. Ah oui, jour de lessive, tout à fait. Quasiment tous, en fait, on va dire, non? Quasiment tous. Oh, regardez comme ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont beaux. Ils sont tout le temps chauds. Compétition. Tomber le maillot. Attendez, parce que ça fait une belle couve, ça. Une belle miniature. Oui, Toya, il est derrière. Vous le voyez pas. Ah si, ça va. Mais j'y peux rien, moi. C'est lui qui se met loin. Hein. Moi, j'ai pas demandé. Hein. Ah, Titi. Non, il s'en fout. Vous êtes prêts? On va les mettre ici. C'est plus joli. Alors, l'aîné va venir ici. Je vérifie avant qu'il n'y a pas de pêche en compétence. Ils ont zéro compétence. Très bien. Tu vas venir là. Tu vas venir là. Tu vas venir là. Alors, pour le coup, on va les faire pêcher jusqu'à un certain stade, à une certaine heure. Oh, 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 il y a des tombes ici. Ah, oh, Kyoshi! Non, Kyoshi, on l'avait pas... Alice. Non, Kyoshi, c'est le mari de Ninon, mais c'est dans le Negasi, c'est pas dans le Notsuberi. Kyoshi est mort. Toya, we believe in you. J'aimerais bien comme au ciné, à cuisine, premier animaux, vous en dites quoi? Eh ben, écoute, si tu le veux, tu les prends. Non, Dahlia, tu restes là. Tu restes à ton spot. Elle a pas le droit de rester à son spot? Tyrion a l'air... Ou alors tu es pro Dahlia? Titi? Donc, il est 14h, on se dit que je les fais pêcher jusqu'à 20h. Tout, mais même s'ils s'arrêtent, je les refais pêcher. Comme ça. Je vais pas faire comme dans les princesses où le premier qui s'arrête a perdu, ce sera vraiment à la valeur de ce qu'ils pêchent. En termes de poisson, évidemment. Pas en termes de toutes les merdes qu'ils peuvent pêcher avec. Donc ce sera vraiment de la pêche pure et dure et de la poiscaille. S'ils sont trop cons, et ben ce sera leur problème. Ça fait loin, ils sont loin. Ils sont loin à checker. Oh putain, en plus vous les voyez pas avec le chat. Bon, c'est parti. Ça suffit toi là-bas? Il s'exprime tout seul lui. Si tu veux t'exprimer, tu viens. Viens. Viens t'exprimer gars, il y a le micro qui est là. Faire des ronrons, non? Bon. On est parti. C'est parta. Si tu veux participer. Vous les voyez au-dessus. Hein. Oui, bah, il n'y a qu'à venir. Oui, oh, là-bas, là. La compétition a commencé. C'est pas Timo Zizai. Ah, 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 ah. Ça mord, ça mord, ça mord. Ça mord chez les trois. Et c'est de rien pour Melba. Allez Toya. Mais arrêtez d'être pro-mec, vous tous, là. Ça suffit. Bon, j'avoue, ça fait loin pour les observer, hein, mais... Pour les avoir les trois en même temps... Et c'est un premier poiscaille pour Dahlia. J'ai corrompu tout le monde, visage diabolique. Regardez-moi ça, avec quelle condescendance elle chope son poiscaille, genre. Mais bien sûr que c'est moi qui vais gagner. Allez Dahlia, grand sourire. Voilà, elle est la première à avoir un poiscaille. Est-ce que les autres vont suivre? Melba, nous t'attendons. Surtout que dans ton prénom, c'est quand même idée. Pour l'instant, il n'y a rien pour elle.
Et pour Toya, je ne sais pas. C'est suspense. Ouais, je sais, c'est dégueulasse la vue, hein. J'en ai conscience. Hein. Mais ils sont un peu éloignés, donc au moins c'est déjà ça, on peut les avoir en visuel les trois. Oui, Belba a pêché son premier poiscaille, qui est d'une qualité incroyable, puisque je ne regarde absolument pas quelle qualité il a. Comme ça, je ferai la miniature avec... Maintenant, on va aller voir... C'est un nouveau en plus, incroyable. Ouais. Il a des poissons qui flottent, lui. Eh, prends une épuisette, mon gars, ça ira plus vite. Ah, 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 ah. Eh ben non, c'est raté pour Toto. Pour Toyat. Et il a déjà envie d'arrêter. Super. Il est trop stupide pour pêcher. Que j'en dis. Tandis que cette dame, Bella Yamada, est en train d'assister à cette compétition sportive de haut niveau. Tandis que madame Leinani Niu squatte le banc de touche avec un bide aussi gros que mon ego. Et Remélis. Comme ça. Ouais, comme ça aussi, vous les voyez. C'est un peu une vue de loin. Ah là là, Dahlia, une fois également de plus, arrêtez de pêcher. Je les remets à pêcher, hein, tout à fait. Ils vont pas pêcher des masses, hein. Ça risque d'être... On sait pas, hein. Pour l'instant, Toya est mal barré, parce que c'est le seul qui a pas de poisson. Merci beaucoup, Kiko, pour ton follow. Bienvenue à toi. Il reste 6... follow avant les 2300. Est-ce qu'on va les faire aujourd'hui? Je ne sais pas. Comment vous le sentez? On a contacté les perdus pour choper la dame. Ah bah non, elle est vieille. Elle est vieille. Sachant que c'est un ado. Hein, donc... Ils passent tous par cette phase de on est trop bête pour pêcher, quoi. Ah, on serait dans une compétition Hunger Games, vous aurez déjà perdu. Hein. Bah, ça aurait été Melba qui gagnait. 2300. Melba aurait gagné parce que les autres ont abandonné avant elle. Dans un Hunger Games, c'était Melba, l'héritière. Mais pour l'instant, ce n'est pas fini. Il est 16h30. Ils sont pas très doués, en tout cas. Goy 2300. Bah, c'était petit à petit, hein. N'hésitez pas à follow, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et vous pourrez suivre les aventures de notre Sobéry. Et également d'autres aventures comme le Legacy et d'autres Challenge Sims qui arriveront en live. Qui, possiblement, seront des créations de ma part. Voilà, vous n'aurez vu nulle part. Comment c'est pas l'élection? Je sais de pêcher, mais... Eh ben écoute, voilà. Oh! Et Melba a le niveau 2. Et elle a chopé enfin un poiscaille! Ta 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 ta! Teasing. Mais oui! Mais comme un prochain challenge sur YouTube qui remplacera Iowa. Et un autre poisson pour Dahlia. Et Toya a attrapé enfin son premier poisson! Oh là là! La compétition est bien lancée, ouais, 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 ouais. Alors que Monsieur Cheveux Rose Momohiro Queer vient aussi pêcher, ouais, 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 ouais. Il me manque juste une photo de toi, bichette. Un bichet. Par contre, on en parle qu'il a les pieds... en fait, il devrait être dans l'eau, là. Un petit peu cassé, le truc. Hein. Ah, encore un poisson pour Melba. Alors ceux qui ont eu la très très grosse rapidité de voir combien de Simflouz étaient à chaque fois, ils pourraient avoir un indice sur la somme finale, mais moi je ne sais pas, je n'ai pas regardé. C'est pas papa, j'ai cru. Non, papa il est au boulot. Oh! Voilà la photo que je voulais. Oh, en plus il est orange aussi. On dirait un faux, vous savez, une peluche un peu. Comme ça, ce sera pour ma miniature. Je mettrai les trois.
Parce que comme ils sont pas les uns à côté des autres, ben je peux pas le faire. Je vais... 4 kilos par contre. Attendez, je vous mets... voilà. Ça envoie tout le monde. Ça pêche, ça pêche. 18h. Il vous reste 2 heures les enfants. Pour attraper le plus de poissons possible. Vaut mieux plein de petits poissons au petit prix. Au moins, vous êtes sûr d'accumuler de la thune. Parce que celui qui aura le plus de thunasse dans le hein, c'est celui qui sera élu héritier. Tout à fait. Tout simplement. Toya sort, toi les doigts d'ici. Et un nouveau pour Melba. Eh, attendez. C'est Dahlia qui a arrêté. Je la fais repêcher. Non, c'est bon, les autres sont en cours. Hein. Ok. Allez, Dahlia! Oh, putain. Dahlia, je sais pas pourquoi. Et hop, Toya en a attrapé un nouveau. Je sens que je vais plus les fermer. Je vais les laisser pourrir. Quoique non, parce qu'on le voit plus. J'ai pas le temps de voir. Dahlia, oupsie, hein. Cocotte, ressaisis-toi tout de suite, hein. Alors forcément, c'est un peu moins de fun qu'une compétition de sport ou d'échecs. Allez, Dahlia, faut pêcher dans la vie. Ouais, faut pêcher pour pécho. Oh, putain, par contre, elle a pris un rond de bois, la pauvre. Alors, c'est un sacré morceau, mais ça compte pas. Non, ça compte pas, ça, ma cocotte. C'est pour la compète, nous, on veut que des poiscailles. Hein. Donc, si, même si vous pêchez une plante vache, ça marche pas. On veut du poiscaille. Après, on peut aller un peu plus loin, si vous voulez. J'ai dit 20 heures, parce que pour faire une heure, voilà. Sans qu'il soit trop fatigué, mais on peut aller plus loin. Hein. Ah, et non. Ce n'est pas un poisson. Une pièce d'amélioration de cuisine pour Melba. C'est dommage. Ah, ah, ah. Toya. Toya a l'air de... Eh ben non. Non, c'est raté. C'était rien du tout. Toya. Toya, il te reste encore du temps. Profite. Je vous jure. Compète de pêche, hein. C'est fun la compète de pêche, hein, on s'amuse. Hein. C'est du poisson qu'il faut pêcher. Mais oui! Après, dans la vie, tu peux pêcher autre chose. Et hop! Un autre poisson pour Dahlia. Ça, c'est fait. Ouais, 7 simplouses. C'est pas terrible. C'est toujours ça. J'ai toujours 7 simplouses de plus dans sa carcasse. Dans sa besace. Dans sa carcasse. Je regarde un peu où ils en sont. On peut encore hein, les faire rester, donc je sais pas si vous voulez qu'on reste jusqu'à une certaine heure ou pas pour les faire pêcher. Ou est-ce qu'on s'arrête à 20h qui arrive, ou est-ce qu'on continue? On reste? Très bien, on reste. C'est raté pour Toya également, encore une fois. Voilà, je regarde les trois parce que je me dis que c'est quand même plus agréable de voir les trois. On voit un petit peu, quoi. Qui avance pas. C'est raté pour Dahlia également. Ah, Toya a l'air d'avoir ferré un bon gros poisson. Et non, c'est pas un poisson. C'est dommage. On reste un peu, pour donner plus de suspense. Jusqu'à quelle heure on est... Jusqu'à l'heure qu'on est. 21h24, exactement. Oh, je pense qu'on y est déjà. Ah non, 20h23. Je regarde bien pour que vous voyez à chaque fois les trois. C'est raté pour Dahlia. Melba a encore un sacré poisson. Tandis que Dahlia fait sa belle. Mmh, je suis très belle. Mmh. Dahlia, c'est plus à la mode, le cul de poule. Marde! J'ai cessé le prix.
Oh putain. J'ai cru. Toya, il est en train de. Eh non! C'est une fougère! Aïe 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 aïe. Il est presque 21h. Vas-y, mais bah elle triche à la meilleure spot, mais bien sûr, parce que. Ça. Je pense pas que ça. Eh bah ouais, elle triche à la niveau 3. Oh, elle a pas le niveau 3, t'as vu, hein? Crotte de bique, je sens une feuille pour Dahlia. Et pourtant, je l'ai fait repêcher aussi sec. Hein. Tandis que notre cham-cham national a été promu au poste de romancier, il gagnera désormais 71 simflouzes de plus par heure, soit 149 simflouzes de l'heure au total. Et a également reçu en bonus 1243 simflouzes. Alors, cham-cham, lui, il cartonne. Hein. On est au niveau 7 de la carrière alors qu'on. On ne nous a même pas demandé d'aller nulle part, en fait, tout simplement. Il est trop fort. Il est trop fort, Cham Cham. Il faut que je vous dise. Dans ce cas, on peut essayer d'aller jusqu'à minuit. Qu'est-ce qu'on s'en fout de Cham Cham? Toya a chopé un petit poiscaille! Ah non, Melba, c'était. Non. Une pièce d'amélioration électronique, ça peut servir, mais pas pour la compète, cocotte. Ah, Dahlia a l'air d'avoir ramené un truc. Et non, c'est pas un poisson. Une bête plein de vaches! Mais ça ne compte pas, malheureusement. Ce n'est pas un poisson. C'est bien, on s'en fout de Cham Cham. Bah oui, Cham Cham, c'était le moment de nous perturber. Hein? J'avoue. Bon, c'est vrai que je pourrais mettre un peu plus. En fait. Le tout petit poiscaille tout riquiqui! Mais poisson quand même, hein, il a raison, il a raison, ça reste un poisson. Je pourrais mettre en accéléré, mais le truc c'est que entre le moment où ils ont arrêté de pêcher et que je la mette en pêche, je veux pas perdre trop de temps pour que ce soit à peu près équitable. Hein. Donc. Ah! Non, ça c'est une fougère ça! Ouais, c'est une fougère. Quand il commence à faire sombre. Mais niveau 3 de pêche pour Melba, elle est vraiment à la bourre, elle, par contre, par rapport à. Aux autres, elle est très à la bourre. Il n'y a personne pour Melba dans le chat. Si, moi. Une pièce à louer en seconde. Non, Melba, ça ne compte pas. Moi, je suis pour les filles. Donc, Dahlia, Melba, ça me va. Ah, merci, Josie, c'est gentil. C'est pour Dahlia qui a quasi personne. Ah ouais? Mais si, j'ai vu plusieurs personnes parler pour Dahlia, hein. Et c'est ça qui est bien dans notre Sobéry, c'est que on sait pas qui sera l'héritier. J'ai écarté qu'un seul Sims pour le trône de l'héritier, c'était Prune, hein, parce qu'elle était tellement moche. Oh, bah Dahlia, elle a attrapé un nouveau poisson! Bah, elle continue à pêcher! Alors. C'est un tronc d'arbre, ça, Melba. Et hop, encore un poisson pour. Notre ami Toya. Salut Carob, comment vas-tu? Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais une élection d'héritier en ce moment même avec la compétence de pêche. C'est-à-dire que celui des trois qui, quand on arrêtera de faire la pêche, je sais pas à quelle heure, aura pêché le plus de poissons qui valent le plus d'argent, surtout, sera élu héritier de la génération. Tout simplement, donc là on est en pleine compète. Ça se voit pas, hein. Mais on est à fond. Moi je fais la commentatrice sportive alors que c'est de la pêche, quoi. Donc on a le temps de se faire chier. Mais que veux-tu? C'est comme ça. Cham Cham, il faut rien depuis tout à l'heure. Bah ouais, bah, c'est Cham Cham. Bah oui, j'ai cliqué sur lui parce que. Attends. Oui, il s'occupe de lui, ça va, ils sont bien. Et c'est pas. C'est une pomme que Toya vient d'attraper. Ah, et un autre poisson pour Dahlia. Et quand même, Melba, elle était bien. Et là, j'ai l'impression qu'elle ralentit quand même. Hein. Là, franchement, Toya, il en a pris plein de petits. Et je sais pas du tout. Je n'ai vraiment aucune idée de qui serait possiblement en tête.
Du coup, jusqu'à minuit, bah ouais, on va aller jusqu'à minuit. Et un autre poisson pour Belba. Ouh là là, j'ai vu 19 films blues. Allez. Toya, Toya. Ah merde, mais arrêtez de mettre le prix aussi. Petite remontada de Dahlia. Petite alors. Allez. Attendez, je vais faire un appel micro. À tous les compétiteurs, à tous les compétiteurs de la génération pêche, il vous reste exactement 20 minutes Sims pour attraper le plus de poissons qui valent cher pour sauver votre peau. Merci. C'est les dernières secondes. Hein. 10 minutes Sims. Et un poisson pour Toya. Oh non. Pitié, toi encore un garçon. Une truite. J'ai pas vu. J'ai pas vu, vous avez pas le temps de voir. D'accord. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, minuit. C'est con, mais Elba, elle était en train de pêcher du vent. Regardez son air confus, mais... Il comprend pas. Elle est belle, Melba. Pourquoi vous l'aimez pas? Vous l'avez entendu, celui-là? Qu'est-ce que tu fais, Titi? Qu'est-ce que tu parles tout seul? Là, tu baragouines dans ton coin? Il est fou, ce chat. Allez, on arrête. Nous arrêtons, poil au fion. Allez, on va se mettre là, au bord de l'eau, ici, tous les trois. Mais non! Allez, allez. Allez, le stade, allez. Il a envie de parler de Titi. Oui, c'est Titi qui a fait son bruit bizarre, oui. Mais il était en train de bailler, là, il est en train de faire dodo, là. Il se dit, bon, bah moi, je vais me coucher. Ça suffit. Ma mère, elle s'occupe pas de moi, je dors. Hein, Titi? Je vois ses petites oreilles. Hein, Titi? J'aime pas sa tête. Les jeux sont faits, exactement. Je crois qu'ils ont faim. Attends, Toya, tu peux te mettre là. Oui! Bouge tes fesses. Non, toi... Oh. J'aurais dû prendre le téléporteur. En vrai, Melba, c'est trop une belle gosse. Hein. C'est trop une belle gosse, regardez. Ah, putain. Je voulais les aligner pour faire le compte Prout. Toya, tu fais chier aussi, toi. Viens là. Là. Les pronos? Eh? Prédiction? Ah maintenant on peut en mettre que... On peut en mettre que deux. Oh merde. Oh merde. Prédiction, on peut en mettre que deux. Merci beaucoup Cindy pour ton follow, excuse-moi. Oh là là, merci beaucoup, bienvenue. Ah oui, Melba, elle est belle, regardez. Regardez les beaux gosses là. Vous voyez pas trop parce que voilà. Regardez-les. Melba, on dirait une mannequin qui est en train de défiler sur un podium. Eh. C'est parti, on va faire les comptes. On peut faire une prédiction fille ou garçon, hein, mais en vrai... Petite pêche pour Dahlia. Fille ou garçon, ça irait mal parce que 2 chances sur 3 que ce soit sa fille. Ouais. Alors, il faudrait que j'en regarde. Je vais comparer les pêches de 2. Puis prédiction en fonction de ce qu'on a déjà. Par exemple, si Dahlia
elle a moins que Melba, bah, ça se jouera entre Melba et Toya. Peut-être. Donc on va attendre de voir. On va attendre de voir. Les deux premières que je vais regarder, ce sera les filles, et ce sera la gagnante des filles contre le garçon. Je pense que ce sera mieux de faire ça. Donc préparez-vous à miser des points, les enfants. Petite pêche pour Dahlia. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 petits poissons. 56 Simflouz. C'est pas fameux, hein. Mais sans que t'es pas la blague que Toya et moi encore. Mais non, en fait, Tundra, ça marche quand même, parce que là, je vais prendre la plus forte des deux filles. Donc, de toute façon, c'est ça, la plus forte des deux filles contre Toya, qu'il est moins, et ben, il perd. Ce sera quand même la plus forte des deux filles. Tu vois ce que je veux dire? 56 Simflouz pour Dahlia. Melba. Et ben, une petite pêche aussi. 1, 2. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 7. C'est Melba qui remporte chez les filles, puisqu'elle a 87 Simflouz. Donc, moi, déjà, je suis ravie que ce soit Melba. De toute façon, ça aurait été l'autre, ça aurait été bien aussi, hein. On peut donc lancer une prédiction. Est-ce que c'est Melba ou est-ce que c'est Toya qui sera l'héritier de cette génération? Tout se joue, hein. Merci beaucoup Lilwen pour ton follow, bienvenue à toi. Ah, prédiction de 2 minutes, c'est parti. N'hésitez pas à jouer, donc bien sûr YouTube, vous ne voyez pas les prédictions. Mais c'est les abonnés qui, à force de venir sur les lives, gagnent des points de chaîne. C'est gagné, c'est gratuit. Et ils peuvent acheter des contreparties. Me faire boire, me faire faire des squats, me faire parler anglais, des genres de conneries comme ça. Acheter un mot pour un épisode de YouTube. Et ils peuvent aussi parier. Et donc, soit miser beaucoup de points et les perdre, soit miser beaucoup de points et les gagner. Et donc, on fait une petite prédiction. Donc là, il y a quand même 98% des gens qui pensent que ce sera Melba qui va gagner contre Toya. Et c'est donc 19 personnes. Et les deux pro-Toya... Ah, 3 pro-Toya, hein. Alors, c'est pas parce que maintenant, on est à 80%, 20%. Aïe, 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 ça a misé, hein. Ça a misé 83 000 points pour Melba et 20 000 points pour Toya. Ah, ça monte à 30 000 points pour Toya. Nous sommes à 73, 27. Et il reste moins de 30 secondes, donc c'est maintenant pour faire vos jeux. Vous pouvez aussi mettre plus de points que vous avez parié. N'hésitez pas. Ah, plus vous en mettez, plus vous risquez de les perdre. Il reste 15 secondes pour faire vos prédictions. Melba ou Toya. J'espère vraiment que ce soit Melba. J'avais dit combien? 86? 7 Simflouz? Je vais revoir, je sais plus. Nous sommes à 60 contre 40. 60% du chat pense que c'est Melba qui gagne. 40% pour Toya. Il y a mis en jeu 84 000 points pour Melba et 56 000 points pour Toya. 20 personnes pour Melba, 5 pour Toya. Je donne toutes les prédictions, ça c'est fait. Je recompte. Nous sommes à 87 Simflouz pour Melba. C'est pas moi qui compte, hein. Heureusement que... Il y a le truc maintenant de cumulatif, hein, parce que... Melba. Salut Kakalazen. Ben Melba, oui, c'est que c'est la génération pêche. Pêche Melba. Voilà. Faut pas chercher. Suspense. Toya a réussi à avoir... 2, 4, 5, 6, 7, 8 poissons. C'est un de plus que Melba. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est putain, c'est Toya. Non, j'en ai marre des garçons. J'en ai marre des garçons. Et
bah c'est Toya qui a gagné l'héritier, l'élection. C'est ce que je disais. Plein de petits poissons vaut mieux que rien. I'm proud of you, Toto. J'en ai marre d'avoir encore un garçon. Je m'en fous, il fera que des filles. Et là, les deux prochaines générations, les deux dernières du challenge seront que des meufs. Merde. 143 000 points ont été distribués à 5 personnes. Je suis contente d'avoir perdu ma prédiction. Oh là 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 là. J'ai plus de points, je suis désolée Alexia. Tu vois, moi, nous, chez moi, c'est... On sait pas. C'est toujours le mystère, tu vois. Il se passe des choses, on sait jamais ce qui va se passer avec le Not So Berry, c'est ça qui est bien. Mange des fraises pour les prochaines. Bah non, je veux pas influencer, donc... Je suis dégoûtée, c'est encore un mec. Oh, j'en ai marre. Bon, à partir de maintenant, vous m'envoyez toutes les belles meufs que vous pouvez faire. Du style, voilà, Melba est très belle, par exemple. Elle est très très jolie. Avec, dans la branche détective. Ah, n'hésitez pas. Je suis très dégoûtée. Je voulais que ce soit une fille. Oh, j'en ai marre. C'est le jeu, hein, c'est comme ça. Hein. Je suis obligée d'accepter. C'est où déjà qu'on habite, nous? Ah oui, c'est derrière, là. On le voit plus. Ah non, je suis dégoûtée. Et merci, Aurélie Lili, pour ton follow. Et bienvenue à toi. Nous sommes à 4 petits follow des 2300. N'hésitez pas à cliquer sur le petit cœur en dessous du live. Ah oui, Machiavel, t'arrives pile à la fin. C'est la déception. Je suis dégoûtée. Oui, les beaux gosses, mais merde, j'en ai marre. Je voulais une fille, c'est tout. Pour une fois, allez. Oh, ça, et franchement, on en sera à 3 garçons de suite en héritier. Hein. 3. Parce qu'on a eu Copper, Chamallow, et on continue avec Toya. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Fallait pas le compter dans l'épreuve, maintenant c'est trop tard. Ah oui, oui, je sais. Mais j'ai joué le jeu parce que je me suis dit, sauf s'il est moche, et il est pas moche. Il est pas moche. Même si vous êtes pas fan de sa coupe de cheveux. Et aussi sur le bouton suivre si vous souhaitez soutenir la banderole. Oui, c'est le cœur, c'est le bouton suivre, c'est ça. N'hésitez pas à follow, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous pourrez revenir voir d'autres compétitions de Sims. Surtout pour le Not So Berry. Après, en vrai, il en restera qu'une. Hein. Ce sera la compétition pour la prochaine génération qui sera verte. Parce qu'après, ben, la génération bleue n'a pas besoin d'être élue. Parce que ce sera la dernière. On pourra le faire si on veut. Peut-être que la génération... Oh, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un problème, les cocos? L'héritier de la génération bleue pourra peut-être avoir une place de choix dans un prochain challenge. Peut-être. J'inclurai, alors pas les cheveux bleus, avec, on fera une couleur de cheveux normale. On verra bien d'ici là. Je suis sûre c'est parce qu'il a joué avec les bestiaux. Tu fais chier, Toya. Non mais t'as fait tes pattes, tu les bouffes, hein. Putain, mais Melba, j'ai tellement cru en toi. Je suis dégoûtée. Oh, il fait des bisous. Vous avez vu, il a fait un bisou sans se faire bouffer le nez. C'est incroyable. Imagine, il pend que des mecs qu'a pas. Je continuerai jusqu'à temps qu'il y ait une fille. La prochaine génération verte sera des filles. Sera une meuf. J'ai même feu. Je tricherai quand vous ne serez pas là avec le MCC. Ah ouais, moi je suis comme ça. De toute façon, c'est mon jeu. Ah.
Et là, du coup, ça se passe comment la suite? Je connais pas du tout les détails du challenge. Alors, tu as la petite commande, notre Sobéry, pour les règles. Et tu as des objectifs précis, en fait. Donc, avec notre petite Toya, on va devoir cuisiner et apprendre, avoir le niveau 10 de la cuisine gastronomique. Déjà. Donc, tu vas cuisiner une salade de jardin, tiens. C'est très bien pour apprendre à cuisiner. Donc, cuisine gastronomique au niveau 10. Je sais plus quelle autre compétence niveau 10 également. Je vais te dire tout de suite. Alors, comédie. Il doit avoir le maximum de la carrière détective. Il doit jouer d'un instrument. Donc, ben, par défaut, lui, ce sera la guitare. Parce que ses sœurs ont déjà eu un autre instrument. Donc, il faut qu'on lui achète sa guitare. On l'avait pas déjà acheté? Non, on l'avait pas acheté. Pardon. Elle va aller changer de sexe. Tout à fait. Et je mettrai que des jumelles filles. Triplette même. Pour faire genre... Oh mon dieu, j'ai des triplées. Avec ma tête comme ça sur la vignette. Parce que comme toute bonne youtubeuse Sims... Voilà. Il va falloir que je m'entraîne. J'ai du taf. Hein. Pour mon legacy, les prénoms des enfants sont vos prénoms. Genre Léna, Shirley et Martial. Ah non, mais moi, je vais... Et moi, ta Shirley, faut qu'elle soit mariée avec un Martial. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ça peut pas être mon frère. C'est mon mec. Attention. Tricheuse, bah, j'ai pas encore fait. M'accuse pas. Eh, hey, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tendue. Ha ha. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah là 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 là. Qui c'est qui quoi? Bah Cham Cham. Cham Cham, il s'est mis au violon. Eh non mais alors il va falloir que tu me trouves un mec qui s'appelle Martial, ça c'est sûr. Non, Martial c'est peut-être mon frère, c'est pas possible. Mais toutes les saletés qu'on se dit, ça peut pas être possible. N'est-ce pas Martial? Ce serait problématique, hein. Très problématique. Bon, ben... Les filles, va falloir vous caser aussi, hein. Qu'est-ce que vous avez de bon, de... À côté, là, Jonathan? Tyrion, il s'exprime. Qu'est-ce qu'il y a? On va chercher une guitare. Eh oui. Loisirs et compétences. Qu'est-ce qu'on lui prend? Une guitare... Allez! Une guitare de l'amour. Ça dégage. 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 Oh allez, vas-y, on retape la chambre tabarnak de notre héritier. Bien sûr, tout est laid hein, dans les Sims, n'oubliez pas que n'ont pas beaucoup de choix, surtout dans cette génération. Donc il va se contenter des mêmes ridales que ses sœurs, hein, à un moment donné. Oh purée, je vous jure, hein, j'en ai marre de faire des enfants, garçons qui deviennent héritiers. C'est pas possible. Ce n'est pas impossible, donc tu vas avoir un lit double, parce que tu es héritier, donc tu as le droit. Oh, allez, le beau petit lit comme ça, là. Ah ouais, mais attends. Est-ce qu'on les bougerait pas, les machins, là? On va les mettre chez ses sœurs, tu vois. Hop. Et on aura un chacune. Un chacune. Oh là, je sais plus parler. Ça va être difficile, hein.
Ok. Tu es héritier, Harry. Pardon. Il va avoir droit à son propre miroir. Bah, c'est comme ça, moi. Mais je prends soin hein, de mes bestiaux, quand même. Hein. Et, son... Et un micro, sa guitare, tout ça, quoi, ça, ouais, ça va être... Parce qu'il a, il doit avoir un micro, il faut qu'il raconte des blagues. Donc, il va s'exercer, hein. L'animal. Et une petite lumière, sinon... C'est un peu con. Qu'est-ce qu'on va te mettre comme petite lumière? Allez, c'est très bien. Et bien sûr, il déménagera quand il sera jeune adulte. Pas avant. Alors bien sûr, il faudra vraiment se poser la question de... Où? Quel monde n'a-t-on pas encore fait? Il s'entraîne à chanter, non? Racontez des blagues, vas-y. Tu as bossé maintenant, hein? Et fini de glander, là, le dernier de la famille, là. Toi, tu vas à la cuisine, tu fais la vaisselle. T'as perdu. J'ai honte. Voilà, les débuts de notre héritier. J'ai commencé un autre sobéré, tu m'as donné envie comme bonne influence Sims. Ah non, influence Sims, tu veux dire. Des bisous, Camille. Bonne soirée à toi. L'accent québécois est presque réussi pour le tabarnak. Je crois que j'en surprends pas mal et j'en fais beaucoup rire des Québécois qui regardent parce qu'ils s'y attendent pas que je sorte du tabarnak. The call is to see where. Mais j'aime pas The Soul Valley. Et Evergreen Arbor, je trouve ça pas très beau non plus. Je sais pas, c'est pas des environnements qui me plaisent. Mais va falloir que je me... Bah Evergreen, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait avec Lila. En vrai. Sous la Nile, nous ne l'avons pas encore fait, effectivement. Ça va avec les tons de pêche. J'avoue. Mais qu'est-ce que toi, on veut regarder notre héritier, là? Non, regardez, regardez. Il est beau. Il est beau. Je suis déçue que ce soit un gars, mais je suis quand même contente parce qu'il est beau gosse. Ah oui, Oasis Springs, ouais. Je suis pas fan d'Oasis Springs, mais ça collerait bien avec sa génération. Faut juste que je regarde s'il faut qu'on déménage encore après. Pour la génération verte et bleue, par exemple. Willow Creek, on l'a fait aussi. Avec Lila. Mais Lila, elle fallait qu'elle déménage tout le temps. Donc ouais, on l'a fait que... Parce que faudra que je check combien de monde il reste. Si on doit combien de déménagements on va faire, parce que comme ça on saura où est-ce qu'on irait plus tôt ou pas, si on finit par Sulani ou pas. Parce que Sulani, ouais, j'aimerais bien aller à Sulani aussi. Oasis pour pêche, la maison s'inscrira bien dans le décor. Ouais, j'avoue. Ah putain, ça veut dire qu'il faudrait que je refasse une maison. Oh non. La galère de faire une maison dans notre Sauberry. Ah. La plage beige, bah ouais. Après, Oasis Springs, ça marche bien, hein, j'avoue. On n'a pas été à Oasis Springs. Newcrest non plus, on l'a pas fait. Pourtant, Newcrest, c'est un peu vide. Ah, t'es pas obligé? Ah, donc faudra qu'on se pose la question quand même. Si, parce que si ça reste définitif... Non, je pense que... Si je peux aller à Oasis Springs pour celle-ci, mais après, je pense qu'on ira à Sulani. En même temps, vert, bleu, bah, ça passe bien avec Sulani aussi. Hein. Bon, il est beau gosse. Il est beau gosse. Il est beau gosse. Je suis déçue, mais il est beau gosse. Oh my god, non. Niveau 2 de la comédie. Bam. Maintenant, il faudrait que je m'achète un micro comme eux. Parce que je peux pas le faire avec mon micro bras. Et puis ça non plus. Mic on, mic off. Eh, vous avez manqué, hein, madame. Pour que je puisse me taper sur la tête aussi pour vous faire rire.
quand je vous fais des blagues. Martial t'en proposera une maison ? Comment ça ? Pourquoi ? Tu veux me faire une maison, Martial ? Des bisous, la drôlesse, bonne soirée à toi. Il est déjà 22h ? Ben, ça va faire 2 heures de record. Je pense qu'avec le... on a le relooking au milieu, hein, donc la rediff ne fera pas 2 heures. Mais on va peut-être s'arrêter là ? Voilà, on va aller coucher. Ah, on est lundi. Merde. Il a pas dormi de la night. Va dormir. Est-ce qu'il va aller au lycée? Oups. Ils se sont pas gérés du tout. Oh merde. Psy. Ah, Louis l'écolo, il a plus d'enfants, il n'a plus de parents. Eh, va à l'école, Bichet, là. Eh, faites-vous des amis, là, il va falloir vous caser, les filles. Ouf, c'est quoi cet ensemble dégueulasse qui t'ont mis? Donc on va faire la journée là, et après... on s'arrêtera ici pour notre sobérie. Sinon, prends une maison chez un abonné qui te plaît, comme ça tu t'emmerdes pas. Oui, non mais après... Je la fais, hein, c'est pas un souci. C'est vrai que ça reste sommaire parce que j'ai pas envie de me casser le cul à mettre plein de détails. Quoi que je dis ça, mais dans le Legacy, à chaque fois, je mets plein de détails. Hein, mais bon, c'est pas pareil. Bah quoi? J'ai décroché. En même temps, le Legacy, je peux prendre le temps parce que... Voilà, en gros, je mets 3-4 semaines, 3-4 lives à faire la maison, c'est pas un problème en soi, parce que j'ai pas d'impératif. Une autre sobérie, vu que je fais un live par semaine, donc il faut que ça avance, bah, il faut que je fasse une maison rapidement. Je peux pas me permettre de faire... bon alors pendant 3 semaines, je vais faire la maison tranquille, hein, au lieu de jouer, donc non. Je préfère me concentrer sur les objectifs et tout. Tu prends une de tes coquilles vides. Ouais, je vais y penser. Je vais y penser. D'avance, bonne journée YouTube et à samedi prochain. Oh, t'es mignonne, Adrodes. Je vais réfléchir. De toute façon, il vient de devenir ado, donc on a encore le temps là-dessus. On peut monter ses skills et tout. On a 12 jours avant qu'il devienne jeune adulte. On va caser ses sœurs. On va voir papa Chamallow devenir tout vieux et tout mou comme Chamallow. Il vieillit dans 5 jours. Et elle, dans 21. Oh non, elle, on la fera vieillir après quelques jours après Cham Cham, hein, parce que elle va être trop décalée. J'aime pas ça. Je n'aime point, mademoiselle. Mais elle va rencontrer Nicolas. Et vous allez... Allez, vous allez niquer un petit peu dans la douche. Ça fait longtemps. Oh la vache. Bah... Mais j'ai cliqué sur la douche en bas, hein. Vous aussi, si vous faites l'amour sous la douche, reniflez avant pour savoir si ça sent bon, si ça sent bon pas la poussière. Ça faisait longtemps le crac-crac. Ta-da-da-da-da. Ça faisait très longtemps. Et du coup, tu te fais des amis. Ça va. On a un petit pécule. Allez, vous allez remettre ça dans le lit. Ça, vous pourrez dormir après. Et on aura la paix. Douche plus petite pour plus de contact. Ah, je comprends mieux. Merci Tundra pour l'explication. Bon, faudrait pas que j'oublie de faire les bestiaux. Parce que, bon... Faible activité. Mais elle va rencontrer Hélène. Bah putain, Hélène, elle a pas l'air jojo. Hein. Elle n'a l'air point jolie. Do 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 do.
ils ont même pas fini de faire crac crac, j'allais dire, lui il dort déjà, tu sais. Tu peux jouer avec, avec les deux, parce qu'ils sont pas l'air d'être... Ah bah non, ça va, bah, ça va mieux. Écoutez. Fais ta vie, écoute, je sais pas. Elle est partie finalement dormir sur le canapé, parce que c'était mieux. Jonathan et Julien. Bon. Mais il me le recasse! Tout à l'heure, il me l'a déjà cassé. Incroyable. Et Toya a rencontré Alexandra. Par contre, Alexandra, elle a l'air mignonne. Je pense que du coup, on aura largement le temps à Totoya pour qu'il fasse sa comédie et... Ah, projet scolaire. Ah bah dis donc. Regardez-moi ça, ils sont tous fatigués. Mais écoutez, moi je les ai laissés se gérer, ils savent pas se gérer. Qu'est-ce que j'y peux, moi, tabarnak? Oh putain, ouais. Bah ouais, mais... Eh oh! Zut, hein! Qu'est-ce que j'y peux, moi? Vous savez pas aller dormir, vous savez pas aller dormir, hein! C'est pas mon problème, hein! Je prends soin de mon héritier, c'est tout. Les autres, je m'en fous! Les autres, je m'en fous. Mon héritier est le seul qui compte. Mes voisins, ils doivent se dire, mais un problème dans sa tête. Elle. Attends, je suis pas la seule à avoir un problème dans ma tête. Moi, au moins, je jette pas mes ordures par la fenêtre. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Il y a 16 heures, ils sont déjà au lit, tu sais. Ils sont claqués. Tu regardes même pas qui est la rousse à la... Ben non, parce que je la connais. C'est celle qu'on avait photographiée. T'inquiète. Bon, elle était mignonne, mais bon, voilà, ça va. Et je suis sûre qu'il y a mieux. Je suis sûre qu'il y a vachement mieux, tabarnak de coulisse. De cibouir. Mais toi, je t'ai demandé de dormir... Va aider. Allez, aider elle, comme ça vous pourrez aider Toya après. Elle aussi, elle s'y met. Ah, je l'ai pas reconnu. Non, t'inquiète. Ouais, bah je t'ai demandé de faire une sieste, tu l'as pas faite. C'est ton problème? Quoi? Support technique, super. Il me semble que j'avais bien désactivé, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Passe par une phase, moi aussi je vais te passer par une phase, tu vas voir. On va ajouter une phase. Et après on va définir une pièce à coudre. Yo les gens, CST pas parce que CST Toya qui a été élu, qu'il faut plus parler dans le chat. Grand sourire. Ouais, j'avoue que d'un seul coup, il y a un petit peu de baisse de tension. Bah, ils m'ont entendu dire, ouais, après, elle arrête et tout, donc c'est bon, moi, je fais plus rien. Bah ouais, mais non, quand même, mes enfants. Quand même, tiens, tu vas faire à manger, bichette. Tu vas te faire un onigiri, portion individuelle. Il est à peine adolescent, il a une grosse voix de bonhomme hein, déjà. Hein. Bon, bonne grosse testostérone. Hein. Me sentais seule d'un coup. Bah oui, ma toundra, je sais bien. Pendant ce temps-là, tu vois, moi je meuble, je parle et puis je vois que personne parle. C'est un peu frustrant aussi. Mais bon. C'est pas grave. Bah, c'est la déception. Hein. Et moi, mon mari me posait une question sur un film comme je regarde. Dommage ça. Oh. Cham Cham, il est malade. Oh, ils ont faim. Toi, tu donneras à manger. Attends. Non, ils ont... Ah non, il va les manger. C'est qui ça? C'est Roger? Ouais, c'est Roger. Roger, il a la dalle. Regardez, il mange. Oh, tu es trop chouchou. Il est parti.
est tout aussi con qu'un chat. Il tourne, il se tourne sur lui-même. Ah, Titi, quand il était bébé, il tournait autour du pot de, du poteau de truc de griffe. Il tournait pour attraper sa queue. Il était déjà pas fut-fut. Non, il est mignon, là, il dort. Il est trop chouchou. Salut, Tony. Comment vas-tu? Je joue aux Sims, moi. Bah, voyons. Moi, j'ai raté ma sieste, du coup, sommeil. Ah, tu m'as fait comme Dahlia. Allez, mettre dans l'inventaire. Mais elle est où, elle? Mais va te faire mettre aussi. Non, mais elle a de l'espoir, celle-ci. Elle dort dans le lit de son frère. Et c'est pas toi qui as gagné la compète, hein? Gertrude, tu te prends pour qui? Ouais, tu te dé... Non, bah tu vas pas blaquer. Blaquer. Non, non plus. Tu vas continuer à travailler. Je vais y arriver, hein. C'était le troisième clic. Eh ben toi, Jacqueline, tu peux y aller, hein. Ils sont tous déphasés. À 20h15, ils vont se coucher, quoi. Après la compète, ça nous a tellement retourné dans tous les sens qu'ils savent plus jouer, les Sims. Comment il mate sa sœur. Ouais, t'es belle. Mais c'est moi l'héritier. On regarde attentivement. Ah. Roger est finalement vivant et pas zombie. Oui, non, il est vivant. Marine, arrête. Oh. Je te jure que je vais te ban. Hein? C'est pas gentil, hein. Tich. Monte tes fesses. Allez, je veux pas d'histoire. Tu montres tes fesses à la cam. Tu montes tes fesses. Vas-y, j'attends. T'es bon? Tu montes tes fesses? Voilà! Et coucou Ambra Queen, comment vas-tu? Et merci Ellicule pour ton follow et bienvenue à toi. Nous sommes à 3 follow des 2300. Et merci beaucoup Marine. Qui se joue encore une fois, c'est magnifique, évidemment. Qui c'est qui passe par une phase? Et toi mon bichet, tu vas me faire ton travail. Et ta sœur? Et bah ta sœur. Mais tu te calmes, moi. HMS! Mais ils veulent tous aller dans le lit du frère. Tu vas aider pour le projet, papa, maman aussi. Allez, rien à foutre. Il n'y a peut-être pas assez de place. J'en ai rien à battre. Comment ça va la vie? Pourquoi je suis la seule à me faire fâcher? Parce que tu offres des subs. Non mais... Ça suffit! Il y a senti avec toi qui offre. Oui, en plus... Bah surtout 3 en une soirée. Bah oui, et alors, quand même. Ah, c'est bon, il y a un conglomérat autour de la... Ouais, elle doit se pisser dessus. Bah oui, mais... Faut que vous gérez les avortons, là. Moi, je peux pas... Hein. Sont mignons. Bon, vous devez vous concentrer que sur celui du milieu. Hein. Bon, vous trouvez toujours que sa coupe de cheveux n'est pas belle? Je continuerai tant que je me fais fâcher. D'accord, très bien. Je dirai plus rien alors. Et après, quand je dirai plus rien, elle trouve encore l'excuse de dire « Bah oui, mais tu dis plus rien, alors moi je continue !» Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse, moi? Tu vas perdre de l'argent. Je la gronderai pour toi. Non, 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 tu diras rien, Martial. Pareil, je vais te ban, moi, tu vas voir. Je vais ban tout le monde, moi. Ça, je vais parler devant un chat qui ne parle pas, parce que tout le monde sera ban. Eh ben, ça sera votre faute! Vous avez vu YouTube comme ils sont, hein, ils sont pas sages. Alors parce qu'ils sont pas sages, vous devez liker la vidéo. Comme ça, c'est fait. Tu peux pas me ban, je te manquerai trop. C'est vrai. C'est que c'est vrai en plus. Ayez pitié de moi. Une fusée à pression atmosphérique. Ouais, elle est partie se pioter. Ouais!
Bah, va pisser, Jacqueline! Toi, tu vas me la lancer. Ah non. Oh! Attends, on va la mettre à l'extérieur. On like, on commente et on partage. Et aussi, follow. Si, si, est-ce pas déjà le cas? Et viens de nous rejoindre sur Twitch. Ouh! La belle fufuse! Oh, et mieux que celle d'Elon Musk. Il n'y a plus personne pour triquiter. Tu serais triste si j'étais pas là. Visage tirant la langue. C'est vrai que les triquiteurs. Qu'est-ce que je ferais sans eux? Je pourrais jamais me remettre en question. Wait. Vas-y, fais un peu de jardinage là. Tu te prends pour qui? Pendant que ta mère est en train de se doigter dans le. Se toucher dans le. Il va jouer de la guitare! J'ai la guitare qui me démange, alors je gratte un petit peu. Bien sûr, tu vas gratter pile du... Ah, voilà, si, quand même. Et ce sera donc l'image de fin pour aujourd'hui. Bien sûr, on n'a pas dit qu'il savait jouer, hein. Ça va venir avec le temps, hein. Valère Looking, construction serait plus rapide. Regardez, il a fait un prout bizarre. Un prout tout noir. Il met le feu au plancher. Pour l'instant, non, mais bientôt. Hey. Qui s'est pissé dessus? Espèce de gogol! Oh oh! Alerte au gogol! Qui c'est qui dort dans le lit? Mais eh oh! Mais qu'est-ce que vous foutez? Mais en fait, ils ont niqué tous les lits là. Il n'y a plus personne qui a son lit d'attribuer. Ah bah oui, ils ont fait un nouveau lit, donc ça y est, les Sims, ils savent plus. Dommage, mais le bot était si belle. Tu vas manger mieux que ça, quand même. Enfin, je te laisse gérer, mais quand même, sois un peu... T'es blonde, certes, mais... Quand même. Pardon. Concentrons-nous sur Toto. La Toya Jackson. Voilà, écoutez, hein. Que dire, que faire? Niveau 2 en cuisine, niveau 2 en comédie. Niveau 1 en guitare. Et 2 en guitare. Il est 1h du matin. Allez, va te coucher, va. J'avoue. Va te coucher. Voilà. Toya, élu. Président de la République. Héritier de la génération pêche. C'est comme ça. C'est lui. Il a gagné. Que voulez-vous? Pour pécho, il a été plus fort. Et toi, tu vas être pieuté. Et l'autre, là, elle se pisse dessus. Et elle passe la spie. Je t'ai dit de te doucher! Ah oh non, et l'autre qui va pisser en même temps, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous là? Il y en a pas un qui est réglé sur la bonne sur le bon horaire ou quoi? Non, non, viens, viens. Oh. Pas possible ça. Un jour faire était horrible. Oh là là! Oh là là! Oh là là! Ah, je suis désolée, tu viens de te coucher, mais rien à foutre. Allez, relève-toi. T'es colère, tu vas étrangler ces pauvres bêtes. Ah. Fous-leur pas le feu, hein, ce serait dommage. Allez, Roger. Est-ce que Roger va aller mieux? Putain, mais elle va les bouffer. C'est bon?
Attention active faible, ok. Va te coucher, je crois que ça n'a pas bien fait effet. Ah si. Bon, ça n'a pas marché sur Roger, mais on s'y attellera la prochaine fois. Pourquoi t'es... Ah, j'ai oublié de mettre l'éclairage, tous les éclairages, voilà. Et ce sera bon pour nous aujourd'hui sur le Not So Berry. On se retrouvera la semaine prochaine pour travailler les skills de Toya. Pour essayer de caser aussi nos filles, donc n'hésitez pas à partager vos foyers de femmes adultes, jeunes adultes, c'est pas grave, elles rajeuniront avec les grossesses, qui sont engagées dans la carrière détective, puisqu'on doit se marier avec un collègue, donc il faut déjà que vous fassiez au moins une journée voilà, en détective, et vous la partagez ensuite sur la galerie, et des foyers avec des adolescents garçons pour les filles, comme ça on pourra les caser. Moi, je vous fais des très gros bisous YouTube. Je vous remercie d'avoir regardé cette rediffusion. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débuter la génération pêche. Pour des bons. Des bisous. Ciao, ciao.